Ah oui, le renversement qui touche! Allez, maintenant, les coups doivent suivre. Les coups ne suivent plus. Les coups n'ont suivi de rien du tout. La cible a résisté et ouais, et mes attaques. Bon, là ça a assez duré. Un j'ai critiqué à 4 de dégâts, c'est nul. Donc on va continuer à tricher honteusement sans aucune race. Là, je vous le dis, pas de race. Ouais, attaque sans oisivité 1, attaque sans oisivité 2, et forcément touché pour lui. Non mais c'est super génial. Tout est super génial. C'est trop bien. Ah, c'est amazing, j'ai envie de dire. Et je me rends compte que j'ai dit cette phrase. J'ai juste envie de décéder. Ah, l'attaque sur noise à 27 qui est passé. Alors là maintenant, en homme, en bon joueur, je vais essayer de ne plus tricher. Si j'arrive un jour à battre cette enflure. Alors, le premier qui ne passe pas. Le second qui ne doit sans doute jamais passer. Le renversement qui touche pour lui. Mais pourquoi? Et moi je rate. Je rate le second. Non mais c'est long et c'est chiant. Je vous le cache pas. Quand c'est long et chiant, j'ai tendance à un peu m'énerver. Oui. Complètement même. Allez, première attaque sur moi ce qui ne passe pas. Deuxième attaque sur moi ce qui ne passe pas. Un 5 pour lui. Et attention, le combat d'infirme. Le combat d'infirme qui continue. Incroyable. Et c'est le renversement. Quel combat incroyable, mesdames et messieurs. On dirait le cercle pendaire. Attention, mesdames et messieurs. Bienvenue dans notre super numéro de lancer le couteau raté par notre ami Ian Black. Ian Black qui est extrêmement nul. Et qui peut bien sûr tuer une personne du public. Dans le combat d'infirme. Voilà. C'est génial. C'est trop cool. Tout à fait d'accord. Avec plein de choses. Notamment avec ceci. Ce combat aussi long que le combat contre les orques de la dernière session. Allez, une attaque sans masque qui rate. Deux attaques sans masque qui rate. Un renversement qui rate. Absorption. Combat d'infirme. Voilà, donc c'est nul. Au pire, je peux l'avoir à attaque magique. Je vais essayer l'attaque magique. Je vais utiliser un peu plus de sorts. Attaque sur qui ne passe pas numéro 1. Attaque sur qui ne passe pas numéro 2. Renversement qui touche. Trop bien. Ah, je vais continuer. Oh, c'est bien, j'ai fait bugger. Waouh, incroyable, incroyable ce qu'il se passe. Il vient littéralement de rattraper l'écart entre nos deux points de vie. Et c'est un sort. Alors, 300 d'XP. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Mais c'était le combat le plus long du monde. Et j'ai pas fini parce qu'il reste des gobelins.
Donc du coup, le prochain sort, oui, le prochain sort que je vais utiliser, je vais de suite le mettre en raccourci rapide. C'est là que j'ai mis mes sorts normalement. Ouais. Mais en plus, il y a de la place. Restauration partielle, je crois qu'il va là. Ah mais il y a de la place, dis donc. Eh mais ouais. Alors tac. Cercle de la moelleté. Et baiser de ghoul. Charme personnel ou animal. Détection de l'invisible. Restauration partielle, ça sert à quoi? Permet de neutraliser tous les effets magiques qui sont une. C'est où j'ai l'attaque. Ouais, si tu veux. Ah bah un truc d'attaque. Flèche d'acide. Ah voilà un truc qui est cool. Allez hop, la flèche d'acide sera le prochain sort à utiliser. Donc, on n'oublie pas. Ah bah il reste. Tiens, il reste un seul gobelin. Étrange. Ah oui, il reste un seul gobelin. Alors là, on a le trône qui cache une langue de slade. Pourquoi pas? Là, on va. Non, 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 ça. Non, mais seul piège. C'est piège. Il y a quoi ici? Oh, un prisonnier gobelou. Ah bah, je vais le libérer. Non, reviens, 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 connard. D'ailleurs, ouais, je remets la map. Pas con. Allez. Prisonnier gobelou. Alors, moi, si vous le libérez, ouais, ou alors travailler avec Orkoula. Qui es-tu? Je vais te tuer. Je ne marche pas. Pourquoi es-tu enfermé ici? Nous combattrons. Moi, battu, fait prisonnier. Si nous voulons battre Orques et Gobelins, maître content, mener l'armée, nous très puissants. Une armée! Ok, les cavernes. Tu peux te barrer parce que je vois. Parce que. Tiens, tiens, vas-y, casse-toi, 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 casse-toi. Casse-toi, moi j'ouvre mes coffres, j'ai fait une bonne action, c'est cool. Là, il n'y a rien parce que je l'ai déjà ouvert. LOL! Et là, c'est le. C'était le piège. C'était le piège. Un sceptre magique. Un sceptre magique qui pèse combien? Qui pèse 2, ouais, bon. Tac, tac. Voilà. Ouais! Donc là, on va utiliser la pierre de rappel. Ensuite, j'ai donné un coup dans le micro. C'est trop bien. Quel est. Est-ce que. Non, c'est pas toi. C'est qui déjà qui peut m'aider? C'est. Putain, c'est où? C'est toi. Oui. Ah oui. J'ai besoin de soins. Ok, va te faire foutre. Va bien te faire foutre, connard. Toi, et là, vous voyez mon Skype qui s'est mis, c'était super génial. Oh là là, lol. Oui, c'est bien, c'est cool, c'est cool. C'est quoi ça? Ok. T'es une TP. Non mais ouais. Bonjour. Ok, ouais, mais comment je me. Comment. Ah oui, d'accord, je me barre comme ça. Alors je suis là. Où est donc l'autre? Le temple, bah il est derrière. Bah il est derrière moi, le temple, c'est pas là où je veux aller. Et toc, caserne des mercenaires. Ah, peut-être qu'elle c'est à la caserne que je peux trouver de l'équipement et tout ce merdier. Oh, j'ai entendu un chat. Il y a des chats.
Alors, est-ce que je peux vendre des trucs? Parce que c'est ce que je voudrais. Non, mais... Wow. Oui, c'est là. Ah, putain. Les dieux doivent vous sourire pour que... Ta gueule. Je suis heureuse de constater... Avez-vous découvert de nouvelles informations concernant le culte? Pourquoi me poser cette question? C'est le maître... Je vois. Mon état de fatigue se voit donc... Les serviteurs, après tout ce qui s'est passé avec les... Enfin, ces rêves finiront bien par passer avec le temps. Vous vous y mettez aussi... Peut-être avez-vous raison. Ce serait pas une si mauvaise idée d'avoir la vie de quelqu'un d'autre. Je... Dans mon rêve... Et... Au bout d'un moment, les voix se font plus... Puis je rate... Voilà. Voilà, ce sont mes rêves. Peut-être comprenez-vous maintenant pourquoi je ne désirais pas en parler. Tu as sérieusement un problème. Ce qu'ils peuvent vouloir dire, c'est gentil à vous de dire ça. Merci. Je me sens beaucoup mieux. Mais en attendant, revenons-en à notre préoccupation actuelle. Bon, quitte mise à jour. Rêve est santé par le terrible fantôme maléfique, même le maître chien. Arène et général Tristevique. La traque du culte. Adolf faisant le mieux seulement vous avoir la lumière, c'était pour donner un anneau. Ok. Ok. Et route du nord. Oui, c'est la route du nord. Ouais, putain, ça va être chiant. Oui, donc, je voulais te demander. Je suis heureuse de constater. Ta gueule. Avez-vous découvert de nouvelles informations concernant le culte? C'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Être comme vous voulez. Mais le village des années. Oui, j'étais lors de la pitou. L'homme est. C'est tout ce dont je me souviens. Quand je repris connaissance, j'ai sou. Quoi qu'il en soit. En revanche, je tentais tout. Il m'expliqua que ma voix se trouvait ailleurs. Et à contre-cœur, les... mon dévouement me permit de gravir les échelons de la hiérarchie du temps. Non, je serais heureuse de vous considérer comme mon ami. Ah oui. Je suis très heureuse, mon ami. Bien, revenons-en à votre mission. Ah mais en fait, je peux finir une quête. Naturellement. Faites. Dans ce cas, bonne... Du coup, ouais, on va Il faire est une bon quête. De vous revoir. Avez-vous découvert de nouvelles informations concernant Ah merde. Le culte? Ah, c'est fini. Mais je voudrais que tu me donnes des trucs, putain. Les dieux doivent vous sourire pour que vous vous portiez aussi bien après tout ce que vous avez fait. Ta gueule. Qu'attendez-vous de... Comment on va, pas d'hiver. Sombre et amer. Oh, cassos, ok. Salutations. Vous êtes celui dont j'ai entendu parler, n'est-ce pas? Celui... Alors... Ok... Ah bah j'ai gagné un bah super j'ai gagné un PNJ. Alors Endo alors là si votre compagnon d'armes en sort spécial de rappel le téléportant vous pouvez votre pierre rappel pour et bah cool et bah j'ai gagné un mec qui a trop de points de vie mais il a trop de points de vie bah il fera ce qu'il veut. Tu me suis Billy? Oui il me suit. Est-ce que je vous connais? Vous êtes celui... Oui, vous me connaissez tous. Ah bla 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 bla. Bon, et ben on va. Bah là, vous voyez, il y a des gens, ils veulent se faire engager. Ah, je peux avoir qu'un seul compagnon. Ah, c'est la merde. Vous me suivez? Il y en a combien qui me suivent? Non, il me faut. Je vous attendais. Je me doutais. Oui, oui, joins-toi à moi. Mais je veux vendre ma merde. Toi. Oui. Je suppose que vous êtes ici pour vous enrôler, hein? Cependant. Y a-t-il un bon magasin? Putain, non, tu me fondues. Allez, demi-tour, c'est trop cool. Oh, un meuble. Attends, je vais te piller. Je te prends ton 9 pièces d'or et puis je m'en vais. Ah, et ben, ça ne veut plus me donner des soins gratos. Plus de bénédiction, c'est la grosse merde pour Aribes.
C'est la déchéance même. Là, alors, la hache fendue, la hache fendue, l'enclume fendue, voilà, quand ça s'appelle. Demi-tour, de l'autre côté, on va traverser vins et marais pour y aller. J'aime bien cette ville, elle a un charme particulier qui lui appartient. Puis la petite musique, ça calme très très vite. Allez, Billy, je vais te vendre de la merde. Il a une aura verte, c'est trop cool. Je peux vous aider? Ah oui, tu peux m'aider. Avec un puits, je vais vendre ici. Alors, tiens, voilà de la merde. Voilà de la merde. Du caca. Plein de caca. Bon, ça, je vais vous le passer quand même parce que c'est pas intéressant. Du coup, je vous retrouve dans quelques instants.